Wesh, la Mifa, ça déjeune ou quoi? Ça va ou quoi, mon petit Val? Il est là, Lil Wayne. Genre, il a au moins 6 ans et demi. Attends, retourne-toi, là. What the fuck? Ça va, gros? Ça va, Jeep? Ça va. Comment tu vas, Jeep? Ça va, Kiki? Et toi? Bah ouais, t'es toujours souriante. Bah, comme d'hab. Ça va ou quoi? Ça va, mon miche. Ça va. Ça va. Je vais mettre l'homme, hein. Là où il y a le fromage. C'est toi qui as préparé encore la table, Kiki? Avec Mich. Ouais, ah ouais, c'est dans notre rôle, gros. Ah, c'est un déjeuner presque parfait, en fait, là. C'est ça. Oh là, alors ça va mettre bien, ça aussi. Petite salade de fruits. Ah, regardez ce beau gosse, quoi. Hey, franchement, la jaquette, elle déglingue. Attends, je change l'air. Les gars, Inox est encore en train de dormir. Et en gros, on voit faire s'il est 15h. C'est le pire prank en vrai. Surtout s'il a son téléphone dans la main. Il va faire bah non. Il y a actuellement 10h. Ah, mais c'est écrit 3-11. Pourquoi c'est écrit 3-11? Il s'est mis en anglais, je crois. Ah, mais. échec de la mission. Échec de la mission. La mission est. Mais Inox, échec de la mission. Je lève pas, il est 15h. Mais il est 15h, Inox, tu vois pas. Il faut se réveiller en fait, hein. Il est pas 15h. Mais attends, mais vos son tableau, ils sont incroyables. On est d'accord, son tableau, il est stylé, hein. Le tableau d'Inox. Ouais, c'est des sneakers. C'est des chaussures. Le tableau de Bouzy, c'est une moto. Mais ouais, j'avoue, le tableau de Bouzy, c'est un petit ours. Bah attends, mais c'est incroyable, mec, c'est un destin. Vos tableaux, ils vous représentent, les gars. C'est un signe, gros. C'est un signe, je te parle pas de l'oiseau. Mais pourquoi tu restes dans ton lit comme ça? En fait, tu fais bande à part. Parce que je suis bien, là. T'es en déprime ou quoi, Inox? Mais j'avoue, ça va. T'as pas bu ton lait, c'est pour ça. Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez vous éclater, on n'oublie pas les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Code créateur Valouz, les gars. Oh, t'es un bâtard. Attends, ça m'a marché. Tu m'as surpris. Tu sais que c'est vraiment chiant. Entends l'oreille. Oh, bâtard. Attends, j'en veux. Ah, mais tout doux. C'est trop marrant, mon frère. Je vais toujours faire ça, maintenant. Regarde en plus le point de vue, frère. On dirait que c'est une arme, tu sais, genre en mode. Ah ouais, j'ai un fou. Je t'ai vu faire. Ouvre la bouche. Non. Allez. Non. Essaye même pas. Ouvre la bouche. Essaye même pas. Ouvre la bouche, ça va te faire gonfler. Ça fait gonfler les pecs. Vas-y, attends. Je m'y attendais pas là, par contre. Les gars, c'est le grand moment. C'est le grand moment. Michou qui va appuyer sur publier. On va publier. Publier son clip, bordel. Oh là là, mais regardez-moi cette mignole. Allez, on va pas arrêter de la voir dans les recommandations. Attends, en fait. Tu vas me dire si j'ai bien choisi la mignole. Oh là. En gros, c'était elle. Mec, elle est propre, hein, ouais. T'aimes bien? Ouais. Sinon, c'était elle. Non. Non, ça fait trop rappeur. Ouais, on est d'accord. Celle-là, elle l'aura tiré l'œil, mais en vrai, c'est avec le jet ski, quoi. Ouais. Allez mieux. Si je vais enregistrer, c'est plus obligé, non. Elle me fait mal. Genre, j'allais le faire, gros. Bah, moi, j'en sais rien. Tu me fais confiance ou pas? Je te fais confiance. J'oserais même pas, frère. Fais-le. Même pour 1000€, je le fais pas. C'est vrai? Mais frère, c'est trop jouissif pour toi, ouais, tu dis ça. Il est 15. Les gars, il est 11h15. Oh là 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 là. Publié, nouvelle vidéo surprise sur ma chaîne. Oh Narchétan. Bah vas-y. Et bah c'est parti. Ça y est, gros, t'es une star. Le stress ou pas? Mec, je stresse. Oh là là. Tu vas regarder toute la journée les commentaires, non? Mais mec, c'est sûr. Vas-y, regarde les premiers commentaires là. Vas-y. Il fraîche? Je suis le premier, ton clip il est énorme. Bah, quel bande de menteurs. Moi je vais être dans les 100 premiers à liker. Bah là c'est trop tard, frère. Là c'est trop tard, gros. Tu sais que quand j'ai il y avait déjà 100 likes. Refresh. Attention. 10 000. Quoi? Attends, quoi? Il est 16, 1 minute. Attends, ta vidéo elle a fait 828 vues et elle a 10 000 likes. En 1 minute. Normal.
On n'est pas les éboueurs du dimanche. Merci mon vrai. On s'est allé vers là-bas à gauche. C'est où qu'il faut les jeter? Bah moi on me disait vers là-bas dans la maison là-bas. Frère, c'est où que tu vas faire? Il a une villa, il a pas de poubelle. Il y a un mot d'abonné les gars. C'est comme si je te dis. Mais attends. T'es une meuf, t'as pas de shampoing. Voilà, t'es une meuf, t'as pas de shampoing. T'as une villa, t'as pas de poubelle. Ah, il y a un mot. Pour inox. En archétane. En archétane. Une abonnée à l'amoureuse de toi. Oh là là. Wow, il est heureux. Oh, c'est oh putain, Lucas. PS, tu... j'ai 19 ans. Oh là là. Oh. Lucas, tu casses. Là, ça m'intéresse. J'ai jamais fait. Mais elle veut pas qu'on lise en vidéo aussi, imagine. J'ai jamais fait ce genre si, de choses. Si c'est malaisant, on coupe. Si c'est malaisant. J'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai décidé de prendre les devants. C'est pas la première fois que je vois cette première phrase. Elle a 19 ans. Viens, monte, non? Je me suis rendu compte que je suis voisine de la villa. Viens, on va le lire là-haut, gros. Viens, on va le lire là-haut. Avec... Hey, Bouzy, Bouzy, va taper une part. Ah ouais, j'avoue. C'est pas pour ici. Non, mais je regarde. T'as pas regardé? Regardez. J'attendais. Ok, vas-y. Genre, t'as reçu un message, résultat, comme si c'était résultat du match. Quoi? Toi. Ouais, Inox, toi, vas-y. Bah, toi, gros, c'est plus important. Ouais, mais ça va peut-être mettre une mauvaise ambiance. Résultat d'analyse. Ah, c'est bon. Oh. Alors négatif. 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 Oh. Négatif, négatif, négatif. Donc, faut y retourner. Ouais, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Un bon c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Bouzy, viens voir ça, gros. Oh, ce qu'elle a, je suis mort. Quoi? Je suis une petite brune pétillante. Ça veut dire elle veut ta bite. Allez, lis-nous là. Vas-y, lis-nous à haute voix là. Et je ne prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Oh, je suis très contente et je me suis décidé à écrire. T'es sûr que c'est pas pour moi la lettre? Pour qu'on puisse échanger par message. Oh, j'ai vu que tu voulais aller en boîte. Oh. Ah ouais, elle perd pas son talent. Ah ouais. Oh. Mais ouais, on l'avait dit dans les si logements. Tu veux, j'ai un bon plan. Mais mec. Car mon père gère la boîte à côté. Mais non. Je te laisse mon numéro. Ça se trouve c'est la boîte rose là, tu sais, on passe le je te laisse une odeur de moi. What? Pas pour te laisser une mise en bouche. Mais what the fuck? Aussi quoi ça? Fais sentir. What? C'est quoi ça? Wesh. 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 T'as bien l'écrit la lettre là. Pour une mise en bouche, gros, mais non, mais là c'est. Attends, mais Inox, c'est une demi-molle là. Frère, wesh. Quel bail. Envoie-lui un message, non? Et c'est y'a que son numéro. Envoie-lui un message. Numéro, frère. Regardez, quel bail. T'es ouf, toi. Non, vas-y, envoie un message, Dobby. On envoie quoi? Envoie un message pour lui. Ah, tu envoies pour moi? Tu veux que j'appelle? Non, mais t'inquiète, il y a attendu. Non, appelle pas, ça va être malaisant, frère. Mais non. Au pire, on appelle ce soir si elle répond pas, genre. Ouais, si elle répond pas. Ouais, si déjà parler si par message un petit peu. Je prends mes couilles et je l'appelle. Vas-y. Ça va répondre direct, gros, t'es un malade ou quoi? Y'a quoi? Je sais pas, gros, j'ai reçu un message. Ouais, si, en pleine nuit. D'une meuf de 19 ans. Déjà, regarde, sans lettre. Sans la lettre. Wesh. Regarde ce qu'elle a mis, regarde le dernier, la dernière phrase. Je te laisse mon parfum pour une mise en bouche. C'est quel mode? Il a jamais fait ce genre de choses. Regarde ça, la dernière là. Je suis brune et pétillante. Ça par contre, là elle m'a fait rire. Est-ce que je sauce un peu quand même le message? Ouais, non, c'est non, je sauce rien du genre. Sauce le gros. Sauce le s'il te plaît. Vas-y gros. Est-ce que je dis ouais merci, ça me touche un petit truc comme ça frère. Ça me touche au fond du cœur. Ouais, dis-lui ça. T'es où? Non mais c'est pas bien de jouer avec les meufs. Mais tu sais pas. Mais t'as envie de savoir? Bah oui. Oui mais j'ai pas envie de la pécho gros. Bah peut-être. Fais gaffe sur mon truc. Vas-y toi. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est que là, je pécho pas une abonnée gros. Tu lui as dit quoi? Non, je vais pas dire tout d'abord parce qu'Inox s'était pas parlé comme ça. Ah, elle a répondu? Mais non. Oh non, putain. Mais non mais j'ai une frère. C'est Inox. Quel boy. Ouais, je sais, SMS. Mais non. Tu dis quoi toi pour dire? Mais vous voulez me mettre dans quoi là? Pour dire Lio, tu dis quoi toi? Tu dis pas hello? Tu dis yop. Voilà, wesh, tu dis wesh. Wesh. Moi, c'est Inox, c'est l'une de nos. Ah, wesh, les meufs. J'aime bien. J'avoue que tu dis pas wesh pour l'aborder, gros. C'est naturel. C'est wesh. J'ai bien reçu ta lettre, ça me touche. Wesh. Du fond du cœur. Ça me touche du fond du cœur. Dis pas du fond du cœur. Et il a dit faut pas jouer avec les sentiments. Bah, ouais, en vrai, là, il joue pas avec les sentiments. Non, j'ai juste dit. En vrai, même si il est pas en accord, ça peut le toucher de recevoir une lettre comme ça, tu vois. Elle est quand même attentionnée, la lettre. Ton parfum me donne la trique. Mais oui.
il est midi 15. Il est midi 15. Ton parfum. Frère, elle va sonner là. En fait, vous voulez mettre une de sauce. Une de sauce, déjà plus en place, frère. J'avoue, t'es. Les gars, j'avoue, déjà plus en place. Il est là, il est en demi-molle. Mais tu dis quoi, toi? Mais t'as un baiser, frère. Inox qui drague, je suis mort de rire. Je drague pas, frère, c'est lui la drague à ma place. Mais frère, mais parce que non, j'ai pas dragué à ta place. Si, il a dit que ton parfum donne la trique. Ça, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Bah, vas-y, on a hâte de recevoir sa réponse. Hein. Ah ouais, c'est quand t'es sur la chaîne ? Vidéo, les amis, ils sont en longueur. Sur la chaîne du Bouzy. Ok, vous êtes prêts ? Non. Ouais. Hey, yop tout le monde, c'est le Bouzy, on se prend une toute nouvelle vidéo. Oh. Elle a répondu ? Wesh, tu prends la confiance, toi, en fait. Avec un bonhomme qui rigole ? Parce qu'il a dit wesh. Mais non. Que tu équipes ma lettre, c'était le but. Ah ouais. Attends, quoi, quoi, quoi ? Elle a du caractère. Attends, quoi, vas-y, dis. Attends, viens, j'enregistre le numéro, comme ça, tu peux filmer mon écran. Mais dis wesh. Ah mais tu veux pas regarder? Bah si, bah si. Elle a dit ça, entre guillemets, parce que tu sais il a dit wesh c'est inox. Du coup elle a mis entre guillemets wesh, tu prends la confiance toi. En fait, cool que tu aies kiffé ma lettre. C'était wesh, le but. Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans. De dire wesh. Regarde bon, les couilles. Ah, non, je parlais à Doc. Regarde, je te crois. Il est amoureux. J'ai dit, je m'en. Il est amoureux. Demande lui son Insta. Oh, y'a quoi, y'a rien. Ça, c'est parce que tu veux parler sans nous en fait. Ça veut dire, il veut lui parler sans nous en privé. Il veut lui parler sans nous en fait. Il veut lui parler sans nous. Y'a rien là. Si tu lui parles en script, tu nous tiens au courant. T'as dit si je fais chauffer encore, ce soir il sera plus là, frère. Il sera chez la voisine. Eh, regarde ce qu'il dit, c'est un mytho. T'as dit si je encore je chope pas, je suis. C'est un gros mytho. Non, c'est vrai que tu l'as dit. Tu l'as dit. Vous êtes que. Tu l'as dit. T'as même des préservatifs dans ta chambre au cas où. Oh, les mythos. Et t'as prétexté que c'était pour Michou alors que c'était pour toi. Ouais. Je me dis que t'allais lui mettre des grosses claques sur les fesses. Il fait trop le mec du coup. Y'a rien. Là il regarde sur Insta, il fait Léa, peut-être qu'il y a eu le follow il y a pas longtemps ou... Y'a rien, ouais, j'ai arrêté de vous imaginer. Tu vas la chercher? Bah juste envoyer un message gros. Bah, y'a rien. Frère, t'as répondu au premier. J'ai jamais vu, je sais pas comment elle est, y'a rien. Bah tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on négocie quoi là? Ah bah rien. T'as senti son parfum quand même. T'as quand même senti son parfum. Pire que la feuille, tu l'as sniffé frère. Y'a rien. La feuille d'ailleurs elle est... La feuille elle est sous ton oreiller gros. Dans ton nez. En vrai Inox, tu peux aller la voir, on t'en voudra pas. On dira rien. Ouais. On dira rien à personne. Non mais genre tu peux aller prévoir un petit resto si tu veux, on t'accompagne et tout. Bah non, ouais, si tu veux même. Mec, on prend une table à côté, nous on vous regarde. Ouais. Tu invite la soir. Tu lui fais à manger en plus. Vas-y, mais vas-y. Vas-y, viens, on l'invite ce soir. Viens, on l'invite ce soir, gros. Cassez les couilles. Viens, on l'invite. On l'invite ce soir. Tu lui dis, j'ai fait à manger pour toi. Non, mais là, vous cassez. Et après, on va en voiture. Il est gêné en fait. Je suis pas gêné, frère. C'est bizarre. On dirait mon daron. Quand il voyait une meuf, il me dit, ah, c'est pour toi ça. Bah là, c'est pour toi, frère. Bah voilà, vous regardez la tête de Balouze avec le parasol. T'as déjà son nul. T'es une petite dédicace à lui dire dans la vidéo? Au moins, voir. Mais laisse tomber, c'est des forceurs. Mais si on n'était pas là, tu l'aurais envoyé un message ou pas? Non. T'as mis pas du tout. Non. Même pas pour la remercier. Je sais pas. Mais si elle t'avait envoyé son Insta et qu'elle était méga fraîche. Mais non, pour moi c'est une abo, je la pêche au pas. Arrête. Mais t'es bizarre toi. Toi t'es bizarre. C'est bizarre de sortir avec ses abonnés. Mais là on te demande pas de sortir avec elle, mais même elle a dit je me prends pas la tête. Bah oui. Elle a dit ça dans la lettre, frérot. Même c'est une abonnée. Mais frère, vas-y, 19 ans. Ah mais si tu penses comme ça, t'auras jamais de meuf avec toi. Bien sûr que si. La terre entière te connaît. Mais t'es trop connu en fait. Ou alors tu toute la France se connaît en fait. Tu vas taper. T'es une méga star, 50 ans, mais, frère. Mais qu'est-ce qu'il dit, toi? Vous êtes des forceurs. Montre, c'était quoi son une message? Une blague sur son prénom. Ah, t'as vu comment ça se réintéressait? C'est bien ça. Comment ça, je prends la conf? Avec le smiley qui fait ça. Ah, oui, toi, lui, il sait comment parler. Hein. Bisouka. Non, tu sais trop, pas au début. Ouais, mais lui, il a l'air de vouloir charmer. Non. Il te regarde. Les gars, en fait, je suis comme ça parce que depuis une heure que j'ai reçu la lettre, ils arrêtent pas de m'en parler, c'est trop chiant. Inox, il y a une brune devant la maison. Arrête. Il y a une petite brune devant la maison. Viens, on va voir. Viens, on va voir. Je jure que c'est vrai. Viens, on va voir. Viens, on va voir Inox. Inox, on va voir. Inox, il y a une Léa. Léa. Léa, Inox, il t'attend. Oh, c'est elle. C'est elle. Inox, c'est elle. Inox, c'est elle. Léa. Ah non, c'est pas Léa. C'est pas Léa. Demande s'il y a Léa. Est-ce qu'il y a Léa? Non. Rien. Non, c'est pas Léa. Okay, regardez un sneak comme ça. Mais comme ça, il était avec la quinoute en plus à l'air. T'as vu comment il casse les couilles? Type, il applaudit. Attends, j'essaye. Mais attends, mais comment tu vas? J'essaye d'en faire trois, c'est trop dur. Applaudis en même temps des mains. Ah ouais?
Les gars, regardez Inox, il est en train de parler avec Léa. Regardez le beau gosse. Les gars, quand tu regardes les tendances, il y a qui? Il y a le bouseux, il y a moi encore avec le vlog de jour numéro 1 alors qu'on est jour numéro 4. Je comprends pas pourquoi. Tu descends, il y a Bouzy encore. Type, il a deux vidéos en tendance. Je suis boss. Clairement le boss. Tu descends, Pidi. Tu descends, chut, Doc. Et demain, tu descends, bah, même au-dessus de nous, il y aura sûrement... Le clip. Le clip de El Michou. Mais c'est sûr. Si t'es pas top à tendance, gros, je comprends pas. Combien de vues, Michou? Attends. 491 000 c'est vues. Pas, pas... 192 000. Toi, c'est combien? En temps réel. Ouais, parce que quand tu regardes dans le dashboard, quand c'est ta chaîne YouTube, tu peux voir le temps réel. En 2 heures, 780. 780 000 alors que sur YouTube, elle est encore que à 491. What the fuck. C'est là ton record. Bah, c'est mon record, ouais. C'est ton record. C'est ouf, hein. Y'a moyen que dans une heure, elle soit 1 million. Là, c'est plus ouf. T'imagines 1 million en 3 heures, imagine. 1 million de vues en 3 heures. Mon frigo n'a plus du tout peur. Le frigo, la maison, le congélateur, il a plus peur du tout. La villa pour la maman. La villa pour la maman, là. 3 millions la 24 heures, je pense. What the fuck. Dicky carré le voyage comme d'habitude. Bah, y'a Apo aussi là qui m'a aidé. Hein. Et merci. Et merci à Apo. La sauce fromagère, mon ami. Tiens, oh, vas-y, en fait, ça a l'air bon, ça. Tu veux de la sauce fromagère? Je veux de la sauce fromagère à base de lait. À base de lait bien, et de fromage, bien évidemment. Inox, on peut avoir des news? Inox avec Léa. J'ai reçu une réponse? Oui, non. Ouais. Elle a dit quoi? Oh là là, mais que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Elle a dit à dire wesh, c'est comme ça que tu réponds à une meuf avec un bonhomme qui pleure de rire. Par contre, je préfère être rigolo et franche avec toi. Je te connaissais pas jusqu'à hier, je suis tombé sur une vidéo de Lou Bouzeux, je t'ai vu dans la vidéo plongeon. Et je t'ai trouvé mignon et marrant. Donc si tu es OP pour boire un verre, un resto ou autre, n'hésite pas. Et une petite peau genre bronzée. Un bonhomme comme ça mais pour bronzer. Pour bronzer. T'es en train de me dire qu'elle m'a connu avant. Elle connaissait Lou Bouzeux. Ah ouais, elle m'a connu grâce à toi mon pote. Ouais, et ouais. Elle a dit non, par contre ça veut dire qu'elle l'a connu grâce à toi. Ça veut dire que bon, voilà, je suis pas au premier plan quoi. Tu dois remercier Lou Bouzeux. Ouais. Et du coup c'est pas une abonnée. Bah j'avoue. C'est pas une abonnée du coup. Est-ce qu'elle dit ça pour... Ouais. Bah comment... Je sais pas frère. Je rigole. Mais comment je rigole? Si quand je vais boire un verre, c'est Doc qui s'assoit à ma table déguisé en meuf. C'est comment je rigole? Si c'est Doc qui fait une vidéo en mode... C'est une fausse meuf. Je serais trop chaud. J'avoue. Tu me le belles un peu trop là. En vrai, c'est une trop bonne idée en vrai. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, what a bon, les gars, on est au casino et je vous parle pas de celui où il y a de la maille. Je vous parle de celui où il y a de la graille. Faut apparaître par où là? C'est bienvenu. Ok, let's go. Go in casino. C'est le caméraman là. Tu veux que je la tienne? Les gars, je vous embarque avec moi là. Vous embarquez avec moi. Tiens, Valouze, combat, tu vas dedans. 4 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 2. C'est moi là? Bah oui, c'est toi, oui. Oh putain. Bah bien sûr, c'est toi, frère. Allez, hop, t'y vas. Et tu klaxonnes. Oh mec, je me suis niqué, gros. C'est remonté comme... Attends, on peut pas mettre une pièce pour que t'avances dedans? Oh, je suis bloqué. J'ai pas osé te le dire, mais... Tu pues de la gueule un peu. Je veux pas que je te l'achète. Avec le masque, c'est ton odeur que tu sens. Et si t'avoues que je la sens bien, la mienne. Viens, on prend des chewing-gums. Non. Et tu me laisses moi, ça sent très bon, moi. Non, en vrai, moi, ça sent pas. Mytho. En vrai, ça sent pas. Mytho. Mais des fois, je me lève le matin, je pars avec des potes, du coup, je mets le masque des fois, et des fois, c'est une horreur. Je me dis, quand t'as pas le masque, dégoûté, ça veut dire que tu contamines les gens avec ton haleine. Ah, j'avoue. Je te jure, des fois, j'ai pas l'haleine fraîche. Hein. Regardez-moi ce beau gosse, là. Ça va, beau gosse? Ça va, beau quand garçon? Je suis avec toi, je me sens bien. Gros, on a fait des courses du turfu en vrai. Mais tu te rends compte qu'on a fait des courses pour 100. On a acheté une friteuse et tout, frère. Hein. Wesh, les gars! Wesh, les gars! Les gars, regardez-moi ce boss, Michou déjà top à tendance. Il a fait 1 million de vues là, ça y est. 1 million de vues, 277 000 likes, mais quel boss. En même pas 5 heures gros. Trop fort. Mais et franchement, il est trop chaud, Mich. La vie, il est trop chaud. Il y a d'autres vidéos des croutons en tendance là? Oui, il y en a toujours.
Bon, oui, les tendances, c'est oui, contre Hollande. Attends, il est top 2. Attends, quoi? Attends. Va dans les tendances. Va dans les tendances. Attends, il est... Sa vidéo, j'ai ma voix dans Fortnite, c'est top 2. Attends, mais là, Michou, il est top 1 et top 2. Ouais. Mais quel boss! T'entends ça, Inox? Il y a ça, là. Michou, il est top 1 et top 2 tendance. Mais quel boss, gros. Devant Cardi B, hein. Attends, Inox, ouais. Tu peux dire à Bouzy et à Dobby, tu veux aller où? Moi, chez la voisine. Ok, d'ailleurs, on m'a envoyé... Enfin, j'ai reçu... Ah, vas-y, viens, regarde. Attends, t'as envoyé quoi? Bah, envoie le message. J'ai une photo. C'est vrai? Bah, nous, on va faire quelque chose de complètement différent chez la voisine. Mais... Bah non, je l'ai envoyé. Montre? Vas-y, montre, vas-y. Je peux voir. Non, mais filme pas. Non, wesh, elle est pas mal. Attends. Non, tu regardes pas tout de suite. Mytho. Wesh, elle est pas mal. Mytho. Elle est pas mal, non? Ouais. J'aime bien. Regarde le petit sourire d'Inox. Elle est un peu viette, genre, non? Ouais, ça va, elle est jolie. Ouais, très jolie. Hein. Après, c'est ton âge, hein, c'est pas la mienne. Moi, je ouais, pas. Elle est jolie. Ta grosse race, gros, j'ai trop peur. Et je suis posé dans le club, normal. C'est normal. Il faut que tu répondes à Léa. Casse les couilles, lui, casse les couilles. Imagine, je vais vraiment la voir, je mange avec elle. Inox en date, en Corse. Le premier date d'Inox Tag. Le premier date. Je vais embarquer la vlogueuse. Déjà, là, le titre. Je vais embarquer la vlogueuse, gros. Je peux faire une séquence pour le vlog. Là, le titre, ça va être Inox Tag reçoit un message d'une amoureuse mystère. Toujours dans l'abus, les gars. Mais voilà, ça fait plaisir. Dites-moi, les gars, pour l'instant, est-ce que vous aimez bien le voyage en termes de vidéo? Est-ce que vous kiffez? Dites-moi si jamais. Dites-nous si jamais vous voulez qu'on fasse des activités. Il y a des bons trucs à faire ou quoi. N'hésitez pas à nous dire des suggestions, les petits frérots. Sur ce, on va chercher sans plus tarder les trucs pour les burgers. Et c'est carré. Oh frérot, comment c'est stylé ici? C'est archi stylé, mon gars. Archi mise. Gros, la première fois qu'on bouge en Corse, c'est nous deux. Hein? La première fois que je bouge de la villa, c'est avec toi, là, tranquille. C'est entre amoureux. Entre amoureux, frère. Alors, oh là là. Le foot, c'est... Bah gros, dans cette rue. Il doit y avoir des... Oh, c'est beau. C'est vraiment joli, mon gars. Maman, mais regarde-moi cette vue-là. Après un franc succès. Après un franc succès de boîte. C'est parfait ça. Je pensais qu'il y a de l'inox. Ouais, moi aussi frère. Alors que non, il a juste appelé sa meuf. Oh, il y a des meufs. Il y a des nanas. Il y a des nanas. Tu vois que Léa, elle est là-dedans. Ah, il y a des nanas là. Il y a une table de 5 nanas là. Ça tu fais trop le mec, putain. Alors que quand j'arrive, je parle une autre langue. Gros. Alors que dès qu'une meuf t'aborde, tu parles chinois, gros. Regardez-moi ce beau gosse là. Putain, mais la dégaine. Tu fais comme moi, tu montes deux par deux. Bah ouais, dans les commentaires. Est-ce que vous montez deux par deux ou un par un? Mec, deux par deux. En vrai, deux par deux, c'est la deux base. Cuits, hein, c'est mieux. Bah, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, et tu te fatigues moins. Ouais. Mon petit Inox, t'as quelque chose à nous montrer là, je crois. Ça déboîte ou pas? Tu l'as collé avec quoi? J'ai pas collé, j'ai fait des trous dedans. Ah ouais, c'est parce que stylé. Moi, je me suis dit justement. C'est plus stylé. On a pas de colle, ouais. On a pas de. J'avais pas de colle, mais j'ai. Ah ouais, toi, t'es deux. En fait, mine de rien, tu caches bien ton jeu. Hein. C'est stylé ou pas? Ouais, c'est stylé. Bon, les gars, la fin de vlog, j'avoue que ça nous a pris l'après-midi entière et même ça va nous prendre la soirée, la vidéo doc. Du coup, bah forcément, on n'a pas eu le temps de faire des. Bah, de s'amuser, de faire des conneries, etc. avec le frérot! Putain, c'est bon, on a fait mais on est là. Deux, là. Ouais, mais vous inquiétez pas, vous verrez du coup tout ce qu'on a fait cet après-midi sur la chaîne de Doc. Et bah quelques. Lucas, tu mettras quelques petits moments pour une mise en bouche. Une mise en bouche, tu connais? Une mise en bouche? Tu connais une mise en bouche? Ah, mais oui! Une petite mise en bouche. Mais non, c'est référence à ce matin, frère. Deux. Bah, Léa. Elle avait dit quoi? Elle a dit ça? Une mise en bouche, non? Ah. Mon parfum pour une mise en bouche. C'était ça, ouais. Mon parfum pour une mise en bouche. D'ailleurs. T'étais chez elle là? Quoi? Non, c'était pas chez Léa. On l'a vu, les gars, j'ai vlogué, on l'a vu. Non, j'étais pas chez Léa. T'étais chez la voisine. Ouais. Alors? Et c'est deux italiennes. Et c'est elles qui nous ont imprimé les trucs. Et on peut leur dire merci. Et je pense qu'on peut leur faire une dédicace aux italiennes. Bah, merci aux italiennes. Dédicace aux italiennes de la Corse. Bah, dédicace aux italiennes de la Corse. Et voilà. Oh là 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 là. Léa, à voir. Léa, à voir. Non, je rigole. T'as pas eu de réponse? Je me foutais. Hein? T'as pas eu de réponse? C'est Dobby. Ah oui, c'est vrai que c'est Dobby, bon, on lui demandera après. Et est-ce qu'on leur fait durer le suspense pour le prochain épisode? Par rapport à qui? À Léa. C'est-à-dire le durer le suspense? Bah, on dit, bon, vous aurez la réponse de Léa dans le prochain épisode. À 100 000 pouces bleus. Allez, bah, dis-moi, ça parle en pouces bleus, frère. À 100 000 pouces bleus, il va chez Léa.
Non, 100, c'est trop peu. Tu sais que tu vas les faire sans les demander, gros. On verra bien. Bon, c'est parti. Nous, on va s'occuper de la cuisine. À tout à l'heure, les potes, pour des petites séquences. Bon, Valouz, pendant ce temps à la villa. Bah nous on est en train de faire les magasins avec Mich. C'est ça. Et je prends mes habits pour demain. Pour le mariage de mon frère. Nickel. T'as trouvé ton bonheur ou quoi? Bah clairement. Bah de ouf. En plus on est tombé sur la meilleure vendeuse. Ouais. Mais toi ta taille, il a été trop chanceux. Ouais. Franchement. Mais c'est vrai hein. De ouf. T'aurais pu très bien trouver. Pas eu de galère. Ouais, pas eu de galère. Que dalle. Là on va lui chercher son petit nœud papillon qui lui manque. Et après on va à la plage. Et après on va à la plage. J'espère que vous faites pas on trop y de dingueries. Voiture, hein. Ouais, 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 on va en voiture à la plage. J'espère que vous faites pas trop de dingueries à la villa. Hein. Pas tout ce qui est prank et tout parce qu'on vous connaît vous. Hein. Ah ouais, j'avoue. T'imagines, genre on rentre et ils ont fait des dingueries. Il y a moyen. Mais non, Valouz, ils ont pas le temps. Ah mais oui, c'est vrai, ils font leur repas. Ah ouais, ils font ouais. Bah nickel alors. On est bien en fait. Bah nous en fait on a choisi le bon jour pour partir sur Bastia ouais, en fait. Nickel. Attention, la mer Corse est oh, oh les trop bonnes. Oh, oh ouais. Oh, non, 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 moi aussi. Mais tu te mets en caleçon torse nu, ça passe. Hein. Mais tu sais que là t'as des lunettes de plongée, je pense que tu vois des trucs de ouf. Ouais, il y a moyen. Regardez comme elle est bleue l'eau. Ah ouais. Et Mich, ouais. Probable combien on plonge tous les deux? Là, on plonge. Ouais, là, tu t'enlèves tout, au moins t'as tes habits encore secs. Mais genre, on plonge tous les deux. Putain, en vrai, je suis chaud, mais c'est galère. Mais ça, ouais, mais ça fait chier. Probable 5. 5? Vas-y. Probable 5. Vas-y, on dit 3. Putain, tous les deux, du coup. Vas-y. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Let's go! Fais tomber le maillot, mec! 1, 2, 3. Oh, elle est trop bien! Elle est trop bonne! Dob, t'as une réponse ou pas? Il attend avec impatience. Bah oui, il a une réponse, je lui ai dit de... T'as une réponse apparemment, non, Inox. Mais non, il les a les réponses, mais je lui ai dit qu'il doit me dire ce que je dois envoyer. Et c'est quoi la dernière réponse? Bah c'est sa photo. Ah, c'est la photo. Bah ouais. Putain, gros, heureusement que t'as un caleçon, frère. Oh mais tu dégoûtes. Oh mais... Ah, Lucas, regarde-moi, ça vaut bien fort. J'ai la tête tournée. Pauvre Lucas. Pauvre Lucas. Lucas, il va connaître toute ton anatomie. Il fait comme ça. Tu fais quoi, gros? Inox tag, Inox tag, Inox tag. J'ai mon midi. Il est mort, frère. Je sais ça. Parce qu'il bave. Il est trop chaud. Les gars, j'ai trop chaud. Il y a une piscine dans son nombril. Quelqu'un d'autre est repassé devant, Cardi B. Mais là, c'est bon, les tendances, elles sont retournées. Ou... Ah ouais, bah, ouais. Oh, ça prend la grosse tête chez les croutons, là, ouais, ça y est. Ça prend la grosse tête. Bah, en fait, on veut un top 10 tendance full crouton. Donc, là, il y a monsieur 3 vidéos en tendance. Et là, il y a monsieur top 1 tendance et top 2 tendance au téléphone. Ouais, exactement. C'est un truc de fou, gros. Mais ouais. Bon, Mich, tu reviens quand, là? Là, on arrive dans 10 minutes. Ok, t'as ton costard? Ouais. Tu nous Je vais vous faire un défilé. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. La nœud papillon? Je dis pas. Nœud papillon. Oh, gros patin. Vas-y, à tout à l'heure. Fais le mec suspect, il va croire que tu vas faire un truc. Bouzy, faut que tu viennes. Il s'est passé un truc. Faut que tu viennes. Il s'est très bien, je vais pas venir. Il s'est passé un truc grave en bas. Ah ouais. Non, mais c'est bien. Vas-y. C'est quoi, par contre? C'est quoi? Y'a rien du tout. Tu es mort. Y'a rien du tout. Je suis libéré, je savais, vas-y, fais-moi rire. Ils sont de retour. Faut pas aller dans la cuisine. Pourquoi? Tu l'as plus là-bas? Ah, ok. Vous connaissez? J'ai capté. Ça va? Vous êtes à la mer? Bon, je vais faire un défilé ou quoi? Ah ouais. Allez, fais-nous un défilé là, Mich. Isaac! J'ai changé, je fais un défilé. Ouh, t'es habillé chez Isaac. Tu connais? Non. Voilà. Moi non plus, je connais pas. Y'a une réponse? Réponse à l'instant, pas. Inox, une réponse! C'est quoi la réponse?
Que le coucher du soleil, non, je n'ai plus Insta. Pas mal le coucher du soleil. Bizarre, ah, tu lui as dit. Impossible qu'elle ait pas Insta. Mec, c'est bizarre. C'est louche, c'est vrai que c'est suspect. Là, ça commence à être louche, gros. Hein. C'est vrai que c'est suspect. Là, ça commence à être louche. J'ai plus Insta. Pourquoi tu n'as plus Insta? Pourquoi Mais là, je n'ai plus. Pourquoi? Et tu fais comme ça. Pourquoi? Refais l'emoji. Il est où cet emoji? Refais l'emoji. Tu mets lui. Pourquoi? Voilà. Bon, bah plus qu'à attendre. Hein. Michou, tu peux venir? Michou! On va un déhancher. Ah ouais! Je pensais qu'il avait perdu tout. Bah, tu l'as vu là? Ouais, moi j'ai vu passer! Oh merde, j'ai pas vu! Vas-y, Mich! Oh le bon gars! Oh mais non! Mais non! Mais non, le boss! Mais gros! Ça tue! Ah ouais, ça déglingue! C'était traumatique! Mec, ça déglingue, même la ceinture. Ah ouais! Mais gros, on a ah ouais, là c'est un vrai, là, c'est un vrai costume. Ah, ouais. Ah là, t'es carrément dans le thème là. T'es carrément dans le truc. Ah ouais. T'es carrément dans le truc. Oh, il est beau gosse. Tu sais qu'on est tombé sur la meilleure vendeuse. Ouais. Ah ouais? Elle m'a dit j'étais musclé déjà. Ouais. Oh. Ouais, ouais. Parce que vidéo disponible sur la chaîne de Philly demain, les gars. Enfin, demain, dimanche. Dimanche midi. Le boss. Oh là, et t'as deux tenues, elle m'a dit? Bah, en fait, j'ai un petit short rouge. Bah, mets-le. Pour l'après-midi. Mais gros, mais t'as même acheté des pompes et tout du coup. Ah ça dure. Ouais. T'es qu'au début, elle m'a montré la chemise, j'ai dit non, c'est bizarre. Après, je l'ai mis et j'ai bien aimé. Ton petit negro, il m'achève. Ouais, hein. Et ça lui va bien. Même la ceinture. En vrai, tourne comme ça. T'es bien, tout ça pour tes mains. Ah ouais. Regarde les garçons, là. Est-ce que je suis beau garçon? Ouais, c'est vrai. T'es, là, t'es très beau garçon, là. Je suis beau garçon. T'es très beau garçon. Et ta coupe de cheveux te va ravir. Ah, merci. Non. Alors? Ah non, c'est vrai, ouais. Michou. Ouais. Pété le bide. Tu l'avais vu, c'est fait vrai. Tu l'avais vu, vous faites la photo de la meuf? Elle lui a répondu. Elle est jolie en vrai. Ouais, mais. Et après, on lui a dit est-ce qu'elle avait Insta? Enfin, non. Ah, bah, ouais. Par contre, elle a répondu un truc un petit peu. T'as dit non, quoi? Pas mal le coucher du soleil. T'es un enfoiré, ah ouais. Après, pourquoi? Et elle a dit car j'étais trop embêté par les mecs, ça m'a saoulé, donc ça ne m'intéresse plus. Insta, c'est pas un site de rencontre. Les lettres, c'est mieux. Elle dit ça? Les lettres, c'est mieux. Moi j'ai dit les lettres, c'est mieux. Bah en vrai, ça va, c'est une réponse justifiable. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que c'était pas. Je pense que c'est normal. C'est vrai que quand t'es une meuf sur Insta, tu dois te faire charmer. Ah ouais, tu dois recevoir 10 000 messages. Est-ce que les meufs. Après, elle a peut-être un compte ultra privé, tu vois, mais peut-être qu'elle veut pas le partager tout de suite. Viens lui s'il y a plus de la chatte. Vous avez les pires conseillers. Inox, t'as les pires conseillers, gros. Mes frères, là, vous mettez la pression aussi, vous êtes des bâtards. En plus, je vous filmais, vous avez vu, les gars, c'est des schlags. Hein. C'est bon, Inox, on rigole, c'est bon. Yo, les gars, alors du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit ping-pong. Dobby, tu viens, on fait un ping-pong? Dobby, tu viens, on fait un ping-pong. Dobby, tu veux faire un ping-pong? Dis-lui. Elle a répondu? Dis-lui qu'on était en train de manger. Elle a dit, me laisse pas en vue par contre, si je suis pas à ton goût, dis-le moi, MDR, ça arrive. Je lui réponds quoi? Oh, gros, on était en train de préparer à manger et tout, j'ai pas répondu. Bah là, c'est où ou pas? Bah, elle est jolie, ouais. J'ai l'impression qu'il s'est fait engueuler là déjà. Ça y est, déjà première embrouille dans le couple. Ah, ça, coupe de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tu dis que c'est toi qui as le téléphone et que moi j'avais pas vu le message qu'elle m'a envoyé. Tu dis ça? Non, tu dis que moi j'ai pas vu ça. Pique-la un coup aussi. Hein? Un petit peu, elle vient de te piquer, elle pique-la, tu vois. Ouais, mais je lui dis quoi? Après, c'est le bonhomme, je sais pas, trouve un petit truc à. Donc il m'achève. Donc c'est le coach. Donc la vie de ma mère, il m'achève. Dis-lui, faut que tu dises quoi? Mais je lui dis que j'ai pas vu, j'étais. Mec, tu dis que j'étais pas là? Ouais, j'ai écrit. Tu dis que j'étais pas là et que c'est toi qui as le téléphone, du coup je pouvais pas. Non, mais maintenant faut. J'avais pas vu, gros, j'avais pas. Elle te regarde, gros. Non, mais ouais, tu vas pas ton maître, gros. Dis-lui un les couilles avec la caméra. Mais dis-lui un petit mot. Mais allez vous faire foutre, bande de bâtards. Bon, on a un truc à fêter. À ton clip. À ton clip. À mon clip. Ah, c'est trop tard. Ouais. Est-ce qu'on est dans le club? On est carrément. Normal. Putain, c'est dingue. Qui veut du champ? Moi. Mais grave.
grave. On va avoir la Game Potion Q sec. Oh, oh là là. Du coco, hein. Merci, Ustik. Ma santé à vous, n'oubliez pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Santé. Le bon clip de Michou. Les gars, on a trouvé, enfin j'ai trouvé avec Dobby un putain de prank et on aura besoin de toi pour. En fait, je t'explique. Mmh. Ça fait plusieurs fois qu'on voit une voisine, tu vois. Ouais. Et en fait, en gros, on va faire croire qu'elle a déposé un mot. Un mot pour Inox. Un mot pour Inox. En mode, elle le trouve méga mignon, etc. Et on va faire un mot où on va mettre du parfum dessus. Et nous, on va lui dire, ouais, il y a un mot. Putain. Merde, attends. Ah, ça va, c'est le complice. Ça va, j'ai peur. Et du coup, ouais, je disais. Attends, je vais ressortir le bloc-notes et tout. Et en fait, en gros, il faudrait lui faire un mot, un style de mot déclaration d'amour, mais tu sais, en mode pas trop forcé, tu vois. Un truc plus. Un truc qui peut le chauffer. Et, ouais. Et tu signes ton numéro de téléphone. Et nous, on va le chauffer à bloc. Avec mon numéro. Pour qu'il t'envoie un message. Bon, ça sera flouté, hein, t'inquiète. Ouais. On va le chauffer à bloc pour qu'il t'envoie au moins un message. Et à partir de là, ça sera à toi de le travailler au corps. Vas-y. Ça te dit ? Ouais, vas-y. Ça va être trop marrant. Coucou Inox et la team Crouton, tu dis ça ? Il va demander son pseudo Insta ou un truc comme ça aussi. Bah, elle a mis son numéro, frère. Mon copier, il va lui demander sur le téléphone. Et après, on avisera, on fera au fur et à mesure. Ouais, j'avoue. Les gars, on vous montre le résultat juste après. Vous inquiétez pas, on va réfléchir là. Alors, les gars, on a la lettre. Coucou Inox. J'ai jamais fait ce genre de choses, mais je décide de prendre les devants. Je me suis rendu compte que je suis la voisine de la villa. Pour info, je suis une petite brune pétillante et je ne me prends pas la tête. Je suis très contente et je me suis décidé à écrire cette lettre pour qu'on puisse échanger par message. J'ai vu que tu voulais aller en boîte, si tu veux, j'ai des bons plans, car mon père gère la boîte à côté de... Je te laisse mon numéro pour échanger. Je te laisse une odeur de moi pour te laisser une mise en bouche. Pchit pchit. Imagine, ils tombent vraiment amoureux. Mais non, on lui annonce pas. Non, mais on va regarder l'épisode ensemble, en haut. Ah ouais, j'avoue. Et là, il va faire bande de... Donc là, en gros, on a deux jours. On a aujourd'hui et demain. Ok. Vas-y, mets un coup de pchit. Oui, c'est vrai. Mets un coup de pchit. Fais gaffe à moi. Je suis mort de rire. Ça n'a aucun sens. Oh, mais fou. Du coup... Il va avoir une demi-molle, récrassement pas, lui. Du coup, le plan, c'est qu'on va la mettre d'abord là-bas et on va faire style de sortir les poubelles tous ensemble. Ouais, en fait, avec Inox. Il y a 4 poubelles, il faut les amener à la villa là-bas, apparemment. Ok. Donc, au pire, on dit les gars qui est chaud. Et on chauffe Inox, tu vas venir avec nous, et comme ça fait hyper crédible. Du coup, il ouvre même pas, il la déchire, c'est genre de. Non, lui, il est hyper. En plus, il est hyper attentionné avec les amis. C'est vrai qu'il répond tout le temps. On écrit pour Inox, d'ailleurs, ou juste on plie. Quand j'ouvre, je dis oui, il y a Inox.